Après, M. Keita Yamadou va prendre la parole. Parce qu'il ne peut pas dire que le Kramo m'a dit 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 que bon, nous Adama Singare, M5 Mamourou Bella Jelé Francian, M5 Mabo M5 La, ou bien il a raffiné Kumata Betrola, donc en Tessega Dokumala, comme Genatique Rebounay, en Demsenoui, en Ankorona Massao de Jeraka Barake, Barujalo, Avea Ketu, Avena Franca, Bravo, Président M5. Voilà, à Begana Franca. Tanti Rama, s'il vous plaît, Annik Mana, Tanti Naïdjo encore. Awa Kamara, M5, Aina. À Begana, s'il vous plaît, Begana, Akuma M5, Togola. Awa Aketo, Anga Demseni, Ansega Kumata, encore tout. Bon, Yamadou, Aujo, le Nordjo, Rola, Rabat, BMCU, Yamakoui. Allez, vas-y, parti. Bon, en tout cas, Ame Bella Jelinfo. Ni kele ben bi mali kono kele min kan ake am se ga fo ko o yeni kele no ye accord d'alger ko kele ma be fora ka ban o be ba do accord ni accord ni accord mena dankari ke mali ka yele ora la accord mena damike an damela accord mena damike an tabulula accord mena dankari ke am masa utara ka fe munun to an bulu olula kan bruja kan ke ko be kan di jama ma kan malo bwana. Donc, oui, Fenye, ni Mogo Wulila, Malien Dengo, Malien Dejien, Mao, Mama, Mabo, Mala. Ni Bouli Kera, Koka Foko, Boko, Keleke, Mogo Manga, Konka, Malien Densi, Soro, Keneka. Donc, en bas, Pela Jelé, Foua, Mounou, Siraya. Ni Kele, Bo, Amase, Réorganisateur, Gwa, Koube, Bo, Mogo, Kakwa, et Boa, Kana. Donc, M5, Togola, Ikoma, Arre, Beba, Don. Mais, Don, Fitini, Fola, Kassero, Kakuma, De, Nye, Mauma. Naoka, Jey. M5 Betogola, comme on arrive à M5 Fradama, à Wulila, à Kokona, Mali Tekla, comme Magateke, Mali Dugolo, Sibrinia Kele, Nano et Atoudoukane, Sibrinia Kele, Sibrinia Kele, Wanne, comme Magatekala. Donc, à Korko, Kuma Jelly, à Korye, à Kori Drokoka, à Nyongrika, à Koban, Pep, Anta Fela, Ante, Anta Lawabana, à Bamanangani, Ante, Anta Lawabana. C'est fini. Parce que des fois, nous, parce que la manifestation, c'est important. Bekata a un code. Parce que nous avons dit que nous avons fait une constitution. Un article de B, nous avons créé un crin là. Nous avons fait un chimon à Ouli, Kati, Dado Mali, Jamana Kumala. Nous avons fait un chimon à Ka, Kundo, Boche, Chilena. Kasura, il nous a dit à Kankan. C'est-à-dire, accord manga signé, Kassoro Jamana Deunka Jete, parce que Jamana est berre, taille moko kelin tate en berre faso do. Donc, on nous kera Kassoro, amado akola, ou e kelin yé, koumo are bebado, accord in teta fana, fana Jamana siki seben bau, nama foma Jamana rep taga femunu ko, foga dangariko, foga la magalike o sebe ou nako, lou ba yelema. Donc, or que, au papier nous ne ba fotougu, ko lou ba manga yelema, tant que Mali yere ou lea tambulu, anga sura su charilente mali du golo fan befe wa jamana tambulu flakono kasura ante mo wore kamara kono donc vi ke o ake o madaga o ake o madafa bamana yala o ba yira ka fo ame kelemuna ni oronya keleri parce en bega jamana si kando donc ni na fo o muru dale man kelemuna na be de kana donc be ka nga wuli ki jo mo ko kelen tese kono kuru jale ne be bifo donc em seminga la nyini ba Oyanini, or ne va la BBM 5 nana manga mega chaya, kuma buru buru mega chaya. Kuma kan re bana jusqu'à ce que fara kunu e malem ne drogi che ki fliso. Au kana sera pression ye. Au beka bla kula jamana te sega jo tanga ma senge. Ani le dieu jamana fe fe la ku developer le ye senge re ku ka toro re ku ka so ka sia. Dimi bla democratie que la madame Mebio, ye san bariga regala. De fuga fana ka jenaye. Amasa ye mu fango ke ko mali national ba photo na ba manana na ba mo so bora ka da sisa ko ni mali an do wole ka nga wuli kan jo ko ni oroya ni jonjo ke le nana ka nga wuli kan jo an pega jena e ka sa faso ni wala sa faso ni abe kuma oroya faso me woronya donc wala amba bela jele fu m5 to wala ka fo ni na m5 ko sa continue nte se ga bok mala vraiment ale aketo kuma jana o mo si doga franci ke le fo ka da tu amba lo msa wa e bagayo. Ah, bah, yo. Voilà, quoi, Adim, ça va, vas-y. Ah, ouais, camarade, Adim.
Tanti, juste un mot, s'il vous plaît. Mbaw be fo ka walimando. M5 trola. Vraiment, aw be de M5 ye. M5 c'est aw droye yande. Maliens be de M5 la. Parce que M5 villa ki joka kele minke. Maliens be de bi yere ye akononana. Donc, amunun be ya. Aye fengen fengke. Aye fengen fengfo. Oye M5 ko de halisa. Il faut qu'on soit des citoyens à la veille, même ni Premier ministre et M5D. En tant que veille citoyenne, on a fouillé. Voilà, donc à bas, qu'est-ce que tu as dit? Malaga, bon, tu as dit, bon, quand on a moussou fou, quand on a moussou fou, n'a rien à voir avec le Abidoumia, mi fou, Kosovo, quand on a moussou mounoumé, un coup fou, quand on a fou, un bal moussou mounoumé, un dom sou, un corom sou, quand on a fou, quand on a fou, quand on a bela gelé fou. Le seul combat qui doit être mené pour le Mali, c'est la lutte contre l'accord d'Alger, un combat historique. Aujourd'hui, il est nécessaire d'informer, de sensibiliser afin que le peuple malien prenne conscience du danger qui plane sur notre pays. Nous sommes à deux doigts de perdre le Mali. Le Mali n'existe plus en tant qu'État. Le Mali n'existe plus en tant que pays souverain. Le Mali n'existe plus en tant que ce pays qui a participé à la création des grandes organisations comme l'Union africaine qui était auparavant l'OIA. Le Mali n'existe plus comme ce pays qui participe à la diplomatie internationale. Le Mali est exclu des relations internationales à cause d'un accord qui lui impose d'être à la risée du monde, qui lui impose de livrer sa population à la mort, qui lui impose de livrer ses villages au pillage, qui lui impose de livrer son histoire à la falsification, qui lui impose de ne pas vouloir défendre son histoire, son identité, ses territoires. Le Mali est scellé, son sort est scellé par des accords, des trahisons qui font que nous avons un État qui ne peut plus répondre et traduire les aspirations du peuple malien. Je n'ai jamais cru qu'on pouvait assister à un tel complot au 21e siècle, après toutes les valeurs qui ont été défendues après la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique a contracté une double dette de sang envers la France, à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale, envers l'Europe, à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale, envers le monde. Bref, nos tailleurs ont participé à la libération du monde. Le vent de la liberté qui a soufflé, nous y avons participé. Comment accepter aujourd'hui, après tout ce sacrifice, que notre pays soit soumis, que notre pays soit recolonisé de la manière la plus sauvage, de la manière la plus traître? Le peuple malien doit-il accepter cela? Je crois que non. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire de se lever pour le Mali. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de parti. C'est une question de dignité et d'honneur. Notre histoire, dont nous sommes fiers, qui nous parle, qui nous enseigne, qui enseigne le monde, qui nous parle, qui nous enseigne, qui anime la civilisation mondiale. Notre histoire qui fait que ce que nous sommes, qui nous différencie du reste du monde, est en train d'être falsifié pour une minorité des minorités, au nom d'une paix qui ne viendra jamais. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que chacun d'entre vous ici puisse partir avec un seul message, c'est de se mobiliser pour le Mali. Toutes les luttes doivent être mises en stand-by. Pourquoi, je vous l'ai dit, nous sommes à deux doigts de perdre le Mali, je le répète. Le Mali n'existe plus en tant qu'État. Nous avons un pouvoir de transition géré par des militaires qui aujourd'hui ne répond pas aux aspirations du peuple qui s'est battu pour acquérir une démocratie au prix du sang. Mais aujourd'hui, l'élection non plus n'est pas la solution au problème malien. Car quel que soit le président qui viendra, il trouvera l'accord devant lui. Soit il applique, soit on lui fera un coup d'État. Même ceux qui sont là, s'ils n'appliquent pas l'accord, on leur fera un coup d'État. Donc le coup d'État plane sur le Mali. La déstabilisation plane sur l'Afrique. L'occupation du Sahel par Barkhane a un objectif militaire. Nos États sont déstabilisés. Nos jeunes États n'ont pas la force et la capacité de faire face à l'envahissement terroriste
et aux rébellions fabriquées qui ne font que répondre à un projet de déstabilisation programmée de nos États afin de nous faire retomber dans une recolonisation pour mieux exploiter nos ressources. Aujourd'hui, nous venons porter cette parole, l'Union pour le Mali, Djekawiri, à travers toutes les structures qui sont là, Songwe Ganda International, le DPM, M5RAP, UMDCCA, IDI Diaspora International, RECAM, Borei, Songwe Ganda Borei, je crois, CDR, j'en passe, l'association de Sangafara, dont le carton a été jeté par terre, je ne vois pas le nom, Akilimaya, l'association Akilimaya de Sangafara, l'association Demissan Djigui, tous ceux qui se sont déplacés pour venir aujourd'hui vous dire que ce n'est pas le nombre qui compte. Ne vous découragez pas, ne vous lassez pas. Quand Fémodibo Keïta a commencé la lutte pour l'indépendance du Mali, ils étaient minoritaires. On a essayé de le mettre en minorité, même au sein même du Mali. C'est à la suite d'un référendum qu'il a pu s'imposer et imposer l'idéal du grand RDA, qui n'est qu'une création coloniale pour la gestion démocratique de nos États. Les prophètes qui ont libéré le monde étaient peu au départ. Ils étaient moins, ils étaient eux seuls. Ils ont réussi à convaincre deux ou trois personnes pour s'associer à eux. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre qui compte. Nous avons commencé cette lutte, nous allons la poursuivre. Que chacun se prépare, car ça sera un combat de longue haleine. Nous saluons nos amis et frères, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui sont avec nous ici, nos frères et sœurs panafricains qui sont avec nous ici, nous les saluons. Aujourd'hui, le message est d'une haute portée, que chacun doit garder, que chacun doit travailler avec, pour toujours, car ce combat sera de longue haleine. Même si les forces étrangères quittent le Mali, le mal est déjà fait. Le pays mettra du temps à se relever. Nous allons mettre du temps à nous comprendre. Cela arrive à un moment où les Maliens ne se comprennent plus. Même pour l'existence de notre pays, nous ne nous comprenons plus. Le Mali a plus de 200 partis, mais la question de l'accord est un omerta. Personne n'en parle. Les grosses structures n'en parlent pas. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils en parlent, ils n'auront pas le pouvoir. C'est d'autres qui décident de qui doit gérer notre pays. Notre souveraineté est mise en berne au profit des intérêts non avoués. Au nom d'une minorité, des minorités, ce sont nos frères et sœurs. Mais la trahison, nous ne l'accepterons jamais. Non à la partition du Mali. Non à la division du Mali. Non à la trahison du Mali. Debout sur les remparts, le Mali vivra, le Mali vaincra. Je vous remercie, je reviens un peu plus tard.